Heureux de vous accueillir pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes accordéonistes, Alexis Lambert et Émilien Roy. Ils nous proposent pour cette fin d'année une balade musicale dans des sonorités totalement différentes que vous allez apprécier. On les retrouve chacun leur tour dans leur propre univers et ensuite on découvre avec eux leur parcours musical. Thank you.
À mes côtés, on retrouve nos deux invités, Émilien Roy et Alexis Lambert. Merci d'avoir accepté cette invitation pour passer cette fin d'année ensemble. Alors, on vient d'écouter deux univers totalement différents, jazz et puis variété. C'est là où se situe toute la richesse de l'instrument. C'est là et c'est autre part aussi, je pense. Comment ça ? Avec l'accordéon, on peut tout faire, je pense. Enfin, j'espère en tout cas, mais on n'a pas fini d'explorer les univers, je pense. Je pense que l'accordéon reflète l'univers de chacun, les caractères de chacun aussi. Donc, c'est vraiment, c'est le moyen de nous exprimer, en fait. Un excellent moyen de communication. Voilà, exactement. Voilà. On dit souvent qu'avec l'instrument, il y a une osmose entre l'artiste et l'instrument. C'est vrai ? Oh, certainement que oui. C'est un peu notre bébé, quoi. Donc c'est vrai qu'on est vraiment attaché à notre instrument. C'est nos cordes vocales, quoi. Voilà, c'est comme... Ah oui, c'est une belle expression, vrai, ouais. Pour un chanteur, c'est les cordes vocales, nous, c'est notre moyen de nous exprimer aussi. Moyen de vous exprimer. Alors, cette rencontre avec l'instrument, elle s'est effectuée naturellement. Il y avait dans la famille quelqu'un qui jouait de l'instrument, ou c'est un instrument que vous avez découvert comme ça par hasard, Emilia ? Alors moi, c'est sous l'influence de mon grand-père, en fait, à la base. Donc j'ai commencé un an de solfège. Et donc c'est vrai que j'étais pas trop motivé au début, hein, le solfège, mais c'est dès que j'ai commencé la pratique de l'instrument qu'il y a eu un déclic et donc je suis tombé sous le charme en fait de l'instrument. Voilà. Je crois que c'est la même, sauf que c'était ma cousine qui jouait de l'accordéon. Sinon, un an de solfège et puis pfff. Par contre, toi, tu es multi-instrumentiste. C'est vrai, oui. Il n'y a pas que l'accordéon dans ma vie. Tu joues Je fais du piano, je fais aussi de la guitare basse, et puis je fais du mandoneon. Ça, c'est... Ça se rapproche plus de l'accordéon. Ouais. Et toi, juste... Uniquement l'accordéon. Uniquement l'accordéon. Dans l'univers des accordéonistes, est-ce qu'il y a une référence, un accordéoniste ou des accordéonistes, vous vous sentez un peu plus proche? J'ai Joe Privat que j'aime beaucoup, Richard Galliano bien sûr, comme énormément d'accordéonistes je pense. Bien sûr. Et puis sinon, non, je pense que chez chaque accordéoniste, on a puisé du bon, il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Moi c'est surtout Benoît Chabot, oui. Parce que bon, c'est vrai que c'est un accordéoniste réputé dans ma région. Hein. Oui. Donc c'est vrai que il m'arrive de jouer avec lui, ça m'arrive de jouer avec lui, et donc c'est vrai que c'est une référence pour moi. Tu viens du Doubs, voilà. Et toi tu es sartois. Voilà les deux régions, deux départements qui se rencontrent sur ce plateau. Alexis, on va te retrouver avec ce morceau en solo. En solo, tout à fait, un morceau tango d'Astor Piazzolla qui s'appelle Adios Nonino, bien connu. Bien connu, on t'écoute. Thank you.
très heureux de retrouver mon ami Alexis Lambert. C'est vrai qu'Alexis, j'ai eu le plaisir de te découvrir sur une scène. Tu avais quoi? Allez, tu avais 10 ans, voilà, bien, hein, sur une scène du Festival National d'Accordéon. Tout à Depuis, fait. Le petit bonhomme, il a fait un sacré chemin, hein, puisqu'il est actuellement dans la classe jazz au Conservatoire du Mans. Tout à Alors fait. Pourquoi passer du musette au jazz? Ça permet d'explorer beaucoup de styles. Moi, c'est vrai que j'aime bien un peu piocher partout là où je peux trouver quelque chose d'intéressant. Et là, avec le jazz, je pense que j'en ai pour un petit bout de temps. Tu t'éclates. Exactement. Voilà. Alors, tu es présent dans de nombreux groupes musicaux dans la région. C'est hein. vrai. Entre autres, avec un groupe qui vient de sortir, là, très récemment, un album. Exactement. Ce sont donc les épingles à Maurice. Les épingles à Maurice, voilà. Hein, Alors, est cinq. La couleur musicale. Des épingles, oui. Jazz manouche et reprise de morceaux très très connus. Vous allez vous bien rigoler. Bon, eh bien. Et puis il y a eu cette rencontre avec une chanteuse. Tout à fait. Qui s'appelle Karine Jarry, d'accord et on voit le duo. Musique brésilienne cette fois-ci, mais c'est très Alors, intéressant aussi. Ce résultat, ce travail, c'est suite à une demande de la part d'Armand Maignan. Exactement. Ouais. Directeur du festival bien connu de jazz, jazz au Mans. C'est une sacrée aventure. Oh oui. Une commande d'Armand Maignan. Et voilà, ça permet d'explorer encore d'autres univers. Comment s'est effectué ce choix dans votre répertoire à tous les deux? Alors, on s'est vraiment concertés tous les deux. On a pris du temps pour... Enfin non, on n'avait pas de temps en fait. On avait un mois. D'accord. Pour monter une heure de spectacle. Et ça s'est fait un peu comme ça. Chacun propose des choses et... On voit si ça marche, on voit si ça marche pas. En tout cas, ça a marché parce que ça a été salué par la presse professionnelle fait, ouais. et la presse quotidienne de notre région. Alors, on va partir dans une autre région. Exactement. On va accueillir maintenant Émilien Roy. Thank you.
retour sur ce plateau de la scène du cabaret Le Pâtis au Mans pour retrouver Émilien Roy. Alors Émilien, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de te découvrir lors d'une sélection nationale pour le trophée mondial. Et c'est vrai que j'avais trouvé un jeu musical en toi. C'est vrai qu'il y avait eu un apprentissage musical par Frédéric Deschamps. Oui. Comment s'est effectuée en fait cette rencontre avec Frédéric Deschamps, alors, qui est devenu ton maître? Oui, alors c'était en 2005, lors du trophée régional Michel Pruvot, donc à Pontarlier, donc là où je suis. Là où tu habites, voilà. Et donc Frédéric m'a proposé de faire un stage pour découvrir sa technique, donc son approche musicale. Et voilà. Il a vraiment une approche spécifique. Donc voilà, donc c'est là on apprend vraiment à se familiariser avec l'instrument, donc vraiment à ressentir la musicalité ainsi que la technique aussi. On développe vraiment une grande technique. Et puis il te lance dans le grand bain des concours. Voilà, je commence les qualifications. Tu participes à 16 ans au trophée mondial qui se déroule aux Antipodes puisque c'est en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et là, tu as terminé quatrième de ce trophée mondial. Et ensuite, tu participes à la Coupe mondiale où là aussi, tu as une place très honorable. Ces concours, quel a été l'apport de ces concours pour toi? Alors, ça apporte vraiment une confiance en soi. C'est vrai que c'est vraiment du stress, hein, vraiment beaucoup de travail. Et donc, au final, quand on va faire des animations diverses, c'est vrai qu'on a beaucoup plus confiance en soi et ça permet vraiment de se familiariser avec l'instrument. Donc, c'est vraiment difficile de jouer uniquement pour un jury par rapport au moment où on joue pour un public. Non, devant un jury, c'est beaucoup plus stressant. Ils sont là pour nous juger. Le public est là plus pour nous apprécier. Je veux dire, ils dansent, ils chantent. C'est vrai que c'est pas la même ambiance, quoi. C'est... Bon, eh ben, là, de toute façon, tu vas retrouver un public. Voilà. Pour ce morceau qui s'appelle Tendre Mystère. Mystère. Pour ce formidable morceau, Émilien. Alors, Alexis, je me suis aperçu que vous avez eu le même prof d'accordéon, Frédéric Deschamps. Hein, oui, c'est vrai qu'on a fait des stages ensemble. Des stages ensemble. Émilien a fait les concours, on nous en a parlé il y a quelques instants. Et toi, tu n'as jamais fait de concours internationaux. Et non, c'est vrai. Pourquoi?
Je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie qui m'a dit ne fais pas de concours. Peut-être que ça viendra à la suite, par la suite. Ça demande trop de travail peut-être, non? C'est-à-dire, oui, c'est vrai, pour le moment, j'ai pas le temps de m'y consacrer. Mais ça te, quelque part, ça t'attire? C'est vrai que ça m'a attiré pendant un temps, mais peut-être plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant. D'accord. Alors, Emilien, dans ta région, le Doubs, de nombreux galas, mais aussi à travers la France, des dansants. Des dansants, anniversaires, mariages, divers animations. Et puis, toi aussi, avec l'Orchestre Pyramide, qui se balade dans la région. Même en France maintenant. Même en France, sur excuse-moi. Routes, sur toutes les routes. Voilà. En tout cas, avec vous deux, je dirais que vous êtes des prescripteurs de bonheur sur les routes de France. Et puis, comme tout bon prescripteur, eh bien, on te retrouve avec ce dernier morceau. C'est un clin d'œil à une rue du Mans. Exactement, rue Arpel. C'est la rue où habite le guitariste. Voilà, j'en ai tout compris. J'espère que vous avez pris du plaisir pour cette balade musicale, la dernière de l'année civile. Alors, merci à Emilien, qui nous vient de Pontarlier dans le Doubs. Merci aux Sartois, qui viennent de très loin, de la rue Herpel, entre autres.
Hein, avec notre ami donc Alexis et Loïc qui l'a accompagné à la guitare. Merci à tous les trois pour cette magnifique balade musicale. Alors, puisqu'on est dans les fêtes de fin d'année, je voudrais quand même vous signaler et vous inviter à aller voir la revue de Music Hall de la Flambée qui se déroule actuellement à la salle des concerts au Mans. 2h30 de spectacle inoubliable. Alors surtout, un conseil, réservez vos places pour ce formidable spectacle. Et oui, on arrive à la fin de l'année, donc de la part de toute l'équipe d'LMTV, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour l'année 2012. Il y aura encore beaucoup d'accordéons, des surprises, et n'oubliez pas aussi qu'à la fin de l'année 2012, eh bien, on fêtera les 10 ans de notre émission sur notre chaîne. Alors, à vous tous, très bonne année. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. À très bientôt sur LMTV, le plaisir d'être ensemble.